Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans le précédent épisode, numéro 14, je vous avais raconté la fabuleuse histoire du Rav Gimpel Orimland et de son fils, le Rav Yaakov Ben-Sion Orimland, que je vous invite à revoir. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une histoire qui se déroula plusieurs années plus tard entre le Rav Gimpel Orimland et le Rabbi de Lubavitch sur le sens de la Tzedaka. Cette histoire se nomme « No pain, no gain ». Après la miraculeuse guérison de son fils, et suivant les conseils du rabbi duquel il s'était beaucoup attaché, le Rav Gimpel Orimland quitta le New Jersey dans les années 70 et s'installa à Miami Beach. Le rabbi l'incite à prendre part aux toutes nouvelles activités de la communauté juive, encore toute jeune à l'époque, ainsi que de faire l'acquisition, avec la participation de quelques associés, d'un grand terrain au centre-ville et d'y construire une résidence pour personnes âgées. Cette maison de retraite se trouvera côte à côte d'un grand centre hospitalier. Souvenez-vous de ce détail. Le Rav Orimland mise tout sur ce projet. Il y investit toutes ses forces et toutes ses économies. C'était pour lui et sa famille certes une belle aventure, mais aussi et surtout une période de grandes difficultés financières. Depuis quelques années, il avait pris l'habitude de voyager à New York juste après Simchat Torah et de passer Shabbat Bereshit auprès du rabbi de Lubavitch. Avant la prière de Moussaf, comme dans toutes les communautés juives, on invite les fidèles à prendre part aux frais de la synagogue et par la même occasion de bénéficier d'une montée à la Torah ou toute autre mitzvah. Pendant ce temps-là, le rabbi se tenait debout devant son pupitre, le visage tourné vers le mur face à lui, plongé dans son livre de prière. Le Rav Gimpel Orimland est triste de ne pas pouvoir participer lui aussi, étant donné sa situation financière. Mais après quelques minutes, son cœur s'emballe et il décide de se surpasser, d'aller au-dessus de ses forces et de prendre part à la mitzvah. Il se lève et annonce haut et fort qu'il offrirait 1000 dollars à la synagogue. Et voilà, soudainement, d'une manière tout à fait inhabituelle, le rabbi se tourne vers lui et lui dit « Reb Gimpel, de toi, je veux 5000 dollars ». Reb Gimpel est effrayé. 5000 dollars, c'est une somme très élevée. Il avait investi tout son capital dans la construction et l'aménagement de la maison de retraite de Miami et ne savait pas du tout où il pourrait trouver une telle somme d'argent. Le rabbi remarque l'appréhension sur son visage et lui assure que grâce à cette tzedaka, il serait en mesure de donner le double, soit 10 000 dollars, l'année prochaine. Reb Gimpel est rassuré par la bénédiction du rabbi et accepte, bien évidemment, de faire tout ce qui est en son pouvoir pour trouver les 5000 dollars, quitte à les emprunter. Hélas, alors qu'il était plein d'espoir, l'année se déroule sans aucune embellie financière pour le Rav Orimland. Bien au contraire, c'est de plus en plus difficile et son affaire est loin d'être prolifique. Mais peu importe, il a la foi en Dieu et a confiance en son rabbi. Pourtant, à l'approche de Rosh Hashanah, il a un pincement au cœur, étant donné que dans quelques semaines, il serait à nouveau chez le rabbi pour Shabbat Bereshit et qu'il n'aurait pas assez d'argent pour offrir les 10 000 dollars que le rabbi attendait de lui. Mais Hachem guide les pas de l'homme. Et à la veille de Rosh Hashanah, il reçoit un appel téléphonique de la part du directeur du centre hospitalier voisin. Vous souvenez-vous de ce détail ? À l'autre bout du fil, le directeur lui explique qu'ils cherchent à agrandir leur centre médical et qu'ils souhaiteraient acquérir le terrain et le bâtiment de la future maison de retraite du Rav Orimland. Le Rav Orimland, médusé, rejette tout d'abord l'offre de son interlocuteur. Il a investi tellement d'argent et d'énergie à la construction de son projet qu'il ne peut imaginer s'en séparer prématurément. Et puis de toute façon, il n'est pas le seul à prendre des décisions. Il est associé à d'autres partenaires. Trop intéressé par ce bien immobilier, le directeur hospitalier ne s'avoue pas vaincu et fait tout son possible pour convaincre le Rav Orimland.
Ce dernier se rend compte que l'acheteur potentiel ne va pas lâcher de sitôt. Il propose alors un prix de vente d'une somme astronomique pour être sûr que le directeur refuserait cette offre. Et là, contre toute attente, le directeur accepte. Il est même impatient de pouvoir conclure la vente dans les plus brefs délais. Le Ravor Imland n'en croit pas ses oreilles, mais prévient le directeur qu'il va devoir en parler avec ses associés avant de lui donner une réponse finale. Les partenaires du Ravor Imland sont tout simplement abasourdis en entendant le montant proposé. Ils allaient tout simplement multiplier leur capital par 5 avant même d'avoir inauguré leur bien immobilier. Un retour sur investissement d'une ampleur inédite. Ils invitent le Ravor Imland à rappeler immédiatement le directeur du centre hospitalier et demander à signer un protocole d'accord aujourd'hui même. Mais avant toute chose, le Ravor Imland compose le numéro de téléphone du secrétariat du Rabbi afin de solliciter ses conseils. Le Rabbi lui fait transmettre qu'il lui donne sa bénédiction pour la vente de son bien. C'est bon. Il peut enfin contacter le directeur pour lui annoncer la bonne nouvelle. Très satisfait, le directeur lui dit « Écoutez, je sais que vous vous êtes beaucoup investi, physiquement et émotionnellement, dans la création de votre établissement. Je sais aussi que mon offre d'achat fut bien trop précipitée. J'ai été impoli envers vous, en vous forçant la main, et pourtant vous avez été un excellent médiateur. Afin de m'en excuser, je voudrais au nom de ma société vous offrir un cadeau personnel en guise de compensation. Je vous en prie, ne refusez pas. C'est pour moi un honneur. Je vous envoie un coursier qui vous remettra un chèque de 15 000 $. Eh oui, c'était 3 fois plus que les 5 000 $ qu'il avait dû emprunter pour le don qu'il avait offert à la synagogue du Rabbi l'an passé. En fait, cela concordait totalement avec ce que le Rabbi lui avait dit l'année dernière. « De toi, Gimpel, je veux 5 000 $, et l'année prochaine, tu pourras donner 2 fois plus, 10 000 $, soit en tout 15 000 $. » Cette année encore, mais le cœur léger, le Rav Ravor Imland retourna chez le Rabbi pour Simchat Torah. Et cette fois-ci, lors des ventes de mitzvot, il fit l'acquisition de la lecture du deuxième verset du Horeta la Da'at, un texte célèbre, composé de plusieurs versets de la Torah, que l'on partage entre les fidèles. Mais au lieu d'accepter le montant prévu par le meneur des ventes, le Rav Ravor Imland annonce haut et fort, afin que le Rabbi puisse l'entendre, qu'il donnerait une somme d'argent dont le montant sera choisi par le Rabbi lui-même. Peu importe le prix, même très élevé, il l'offrirait à la synagogue selon la décision du Rabbi. Juste après Shabbat Bereshit, il est reçu dans le bureau du Rabbi pour une entrevue privée et à la fin de leur discussion lui dit « Rabbi, c'est vous qui m'avez conseillé de m'installer à Miami. C'est vous aussi qui m'avez incité à y acquérir un terrain et à y construire un complexe hospitalier. C'est vous encore qui m'avez béni pour y procéder à sa vente et vous savez que j'en ai joui d'un gain exponentiel. Je remercie Hachem et je vous en suis reconnaissant. » Permettez-moi donc de vous offrir un don conséquent cette année. Rabbi, quel montant dois-je inscrire sur le chèque ? Le Rabbi l'observa avec un large sourire et lui répondit « De toi, Gimpel, je ne voudrais pas plus que 126 $. » Le Rav Orimland est stupéfait. « Rabbi, l'année dernière, alors que je subissais d'importants problèmes financiers, vous m'avez demandé 5 000 $, une somme qui, je l'avoue, m'a mis dans l'embarras. Et cette année, alors que ma situation s'est absolument améliorée, vous me demandez la modique somme de 126 $. » Le Rabbi lui dit ainsi, « Reb Gimpel, je n'ai jamais eu besoin de votre argent. J'ai eu besoin que vous vous surpassiez. L'année dernière, vous avez offert les 5 000 $ en ressentant pleinement et profondément le sens de la tzedaka. Vous en étiez incapable et pourtant vous l'avez fait. Vous vous êtes retiré quelque chose dont vous ne vouliez pas vous séparer pour le donner à votre prochain. À présent que vous êtes à l'aise financièrement et que vous pourriez offrir n'importe quelle somme sans en être affecté,
vous ne ressentiriez pas la même émotion aussi intense que l'année dernière. Alors, donnez-moi seulement 126$ cette année. Cela ne veut pas dire que même les petites sommes, selon ses moyens, n'ont pas de valeur, ce qu'à Dieu ne plaise. Au contraire, Rabbi Shneur Zalman, dans le Tanya, met un point d'honneur sur les petits montants répétitifs de Tzedaka. Non. Ici, le Rabbi a transmis un message révolutionnaire. La vie juive ne consiste pas seulement à remplir une liste de tâches. C'est bien plus que cela. Il faut parfois savoir briser ses propres limites et restrictions et faire ce qui doit être fait, même si cela n'est pas naturel pour nous. Le grand test d'un juif n'est pas seulement dans la question de savoir ce que l'on fait ou pas, mais plutôt de savoir ce que cela demande comme sacrifice. Combien d'efforts vous avez dû y consacrer? Comme l'affirme la Mishnah, l'efun tzahara agra, Dieu récompense à la hauteur de l'effort. No pain, no gain. À très bientôt pour une nouvelle histoire du Rabbi de Lubavitch.